La bouquinade, moi et ma tête semi-blanche et rouge à cause du soleil avec des énormes cernes à cause de l'anxiété. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog Grishaverse. On dirait que je me suis pris un coup de pelle. Bref, je vous l'avais promis dans le dernier vlog, je vais donc faire un vlog complètement dédié au Grishaverse avec la lecture du tome 3 de Grisha, mon chat saute. Non, avec la lecture du tome 3 de Grisha, la lecture du tome 1 et 2, enfin de la duologie de Kiss of Crows et le visionnage de la série. Je ne sais pas combien d'épisodes ils vont sortir le 23 avril. Ça veut dire que dans 9 jours, il faut que j'ai tout lu. Pour vous faire un très rapide résumé du premier tome, nous avons Mal et Alina qui sont deux enfants orphelins de leur nation. Le chat continue de courir. Je ferme la porte. Voilà. Me revoici. Je disais donc que Mal et Alina sont deux enfants orphelins de leur nation, toi t'as compris. Ils sont engagés, enfin du moins ils vont être recrutés pour servir leur pays. Alina va être une cartographe et Mal, lui, va être... C'est pas le terme exact, mais en gros c'est un... Pas un tireur d'élite, mais c'est un chasseur. Poursuiveur. Je vais me faire taper dans les commentaires, allez-y, défoulez-vous. Le royaume de Ravka subit plusieurs choses néfastes, dont une partie de Ravka qui est complètement ensevelie par une map noire qui est une map de ténèbres, de monstres et où ça sème le chaos. Certaines personnes tentent tant bien que mal de repousser cette map noire de lumière, dont ce qu'on appelle les Grisha, qui sont des êtres dotés de pouvoirs magiques. Et le seul espoir un petit peu que certains disent pour le royaume de Ravka, c'est de trouver l'invocatrice de lumière. Bon, ensuite deux protagonistes, Mal, Alina. Alina semble être le personnage idéal pour être cette invocatrice de lumière. Bon, je vous spoil rien, on l'apprend ultra vite. Et donc on va suivre tout ça, connaître l'existence, enfin d'où provient cette map noire, qui la contrôle, est-ce qu'on la contrôle vraiment, comment la réduire, comment, enfin, qu'est-ce qui fait qu'elle peut s'étendre, etc. Enfin bref, on va essayer de tout comprendre petit à petit. J'ai donc fini hier le tome 2 de Grisha grâce notamment au live Twitch de Ningorman. Donc elle fait des lives, je ne sais pas si c'est très souvent, mais je découvre un peu l'appli, hein. Je suis vraiment la vieille bibliothécaire qui ne connaît rien à la technologie, une boomeuse, ni plus ni moins, it's me. Ok, boomer. Et elle fait des lives de productivité ou de lecture en fait, ou enfin des sprints, où pendant un certain laps de temps, on va tous se retrouver pour discuter, et pendant un autre temps, on va, 15 minutes, 30, 45, on va vaquer à nos occupations, donc lecture, montage, hein, tout ce qu'on veut, et profiter de ce temps pour être concentré et productif. Et ça m'a vachement aidé à finir ce tome 2 qui a été pour moi assez difficile à lire. Pourtant j'ai quand même apprécié l'intrigue, toujours ce qui s'y passe, etc. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus mou. Alina, on était encore moins potes que ce qu'on pouvait l'être avant. Enfin le tome 1 ça va, on avait fait ami-ami, mais le tome 2 on s'est un petit peu éloigné. Par contre Mal, j'ai toujours beaucoup d'affection pour lui, je sais que pas mal de monde ne supporte pas Mal, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de monde qui adore le Darkling, c'est vraiment pas mon pote celui-là. Et j'ai entamé le tome 3 tout juste ce matin, et d'ailleurs Nin, donc Ningorman,
et Bulled Up Emily vont faire un live Twitch sur un autre livre, sur le même principe des sprints, et je compte les rejoindre cet après-midi dans la petite discussion pour bien avancer sur ce tome 3. Ce que je fais aussi, c'est que en ce moment j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai un pic d'anxiété assez important, voilà, sans trop rentrer dans les détails, et j'avais du mal à replonger dans un livre et être bien concentrée dans l'histoire, pas lire des mots juste pour les lire, enfin les comprendre, les assimiler et être imprégnée pardon dans le roman. J'avais vraiment du mal, et ce qui m'a aidée, c'était vraiment de trouver des playlists à thème. Donc je suis allée tout simplement sur mon ami YouTube, que vous devez connaître normalement, et j'ai trouvé plusieurs playlists inspirées de la saga Grisha, enfin qui sont faites pour la saga Grisha. J'ai du mal à parler, je suis désolée, je sais pas pourquoi, je suis hyper excitée, et franchement c'est hyper bien, ça plus combiné au live Twitch. Moi je vous dis, j'ai bon espoir pour tout finir. Je vous mets dans la barre d'infos les playlists. C'est pareil, si j'oublie, vous me tapez dans les commentaires. On connaît la chanson. Mais du coup, j'en ai trouvé plusieurs qui sont assez cool. Enfin, moi j'aime bien du coup les chansons. Donc je les trouve cool par conséquent. Et là, dans ce troisième tome, déjà à la fin du deuxième tome, la fin, je me suis ennuyée pendant tout le tome 2 pour avoir cette fin où j'étais en mode de quoi ? Heureusement que je pouvais directement enchaîner sur l'autre tome, parce que clairement si je l'avais lu et acheté à sa sortie et que j'aurais pas pu avoir le troisième tome tout de suite, j'aurais été très en colère, vraiment. Et là je me suis arrêtée à un moment pareil, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée là pour commencer le vlog, mais à un moment qui fait que tu sais qu'il va y avoir encore un retournement de situation, tu le sens arriver gros comme une maison, et je vais peut-être déjà arrêter de parler et aller lire ce troisième tome. Je sais pas si du coup les filles sont déjà en live. Bref, Blanche-Neige, je vous retrouve un peu plus tard. Non mais je suis à la page 253 sur un total de 404, donc je suis un peu plus de la moitié du roman. C'est franchement super bien, c'est largement mieux que ce deuxième tome. Là on vient d'avoir un rebondissement, tu savais que t'allais retrouver ce personnage là, mais on ne savait pas trop quand, mais on l'attendait quand même. Je pense que certains qui ont lu le tome 3 voient ce que je veux dire. Et quand donc ce personnage là est réapparu, j'étais en mode ah ben enfin, ça fait un moment que je t'attendais. Et franchement c'est super cool pour l'instant. Je préfère largement au tome 2 qui était beaucoup plus dans une ambiance monotone, où on avait l'impression que l'action était latente ou qu'on attendait un drame pendant tout le second tome. Et mais le troisième tome pardon se rattrape largement sur la saga entière, parce que le premier tome franchement ça a été un coup de cœur. Le deuxième c'était pas une déception, mais ça a été une lecture assez difficile globalement. Mais le troisième tome, là on remonte la pente, je suis hyper contente. J'aimerais beaucoup pouvoir presque le terminer ce soir. Je fais toujours les live sprint Twitch de Nin. Ceux qui m'ont vu sur le Discord, s'il y en a certains qui font partie du Discord de Nin. Et en fait il y a comme plusieurs maisons, c'est comme... Alors j'arrive super mal à l'expliquer, et de toute façon je comprends encore très mal l'application. Telle une boomeuse que je suis, il y a un upside down. Bon, on recommence. En gros il y a comme une face cachée sur le groupe de Discord de Nin, et on peut rejoindre ce qu'on appelle des maisons. Et donc il y a quatre maisons, un petit peu le même principe que Poudlard.
Et au début, moi, je suis allée sur une certaine maison, mais j'avais pas fait mon test, donc je ne savais pas trop en fait ce que je faisais là. J'avais juste vu le descriptif et j'avais cliqué dessus sans vraiment m'apercevoir que j'avais cliqué dessus. Donc j'étais tombée sur le groupe. On m'avait souhaité la bienvenue et tout. Et puis Christiane, si tu passes par là, je ne sais pas trop si tu vas passer par là, donc de la chaîne Christiane Tran, m'a dit mais Emma, t'as pas fait le test. Va faire le test. Je fais le test et finalement j'étais dans un autre groupe qui est celui des loutres. Donc bah j'arrive là-bas et tout, super contente. Et là pendant le live, et ben en gros je me fais compter par Nine. Super. Parce que j'ai changé de maison et que dans Harry Potter, tu changes pas de maison comme ça normalement. Tu changes pas du tout de maison même. Bref, c'est juste pour justifier que j'ai vraiment du mal encore avec l'appli Discord. Je comprends encore rien, vraiment rien. Donc s'il y a certaines personnes qui sont sur le Discord de Nine chez les loutres, salut. Voilà, c'est juste petit aparté étant fait. Je travaille aussi en attendant, mais je peux pas vous le montrer sur un autre projet, je ne sais pas si ça verra le jour, puis vous allez pas le voir directement, enfin bref, je ne peux pas tellement en parler, je n'ai absolument pas les accords, donc je peux pas tellement vous montrer ce que je fais à côté, mais par rapport à la lecture de Grisha, franchement, c'est nettement mieux, et vraiment d'avoir trouvé les playlists sur YouTube, ça m'aide tellement à avancer dans l'histoire et à me mettre dans le mood Grishaverse. Il faut que j'en trouve d'autres sur Six of Cause, parce que du coup demain sera vendredi, et j'aimerais beaucoup dans la journée pouvoir entamer Six of Cause. C'est un but, c'est un peu un sprint avant la série, enfin c'est totalement un sprint avant que la série sorte, vu qu'elle sort le 23, il me reste 8 jours, on y croit pas trop parce que ça me fait un total de presque 1300 pages à lire en 8 jours, je sais même pas si j'ai déjà pu faire ça un jour, si je pense que j'ai déjà dû le faire mais c'est juste que ça fait longtemps, je suis un peu rouillée. Et je viens de réaliser qu'il est 15h30 et que j'ai toujours pas mangé mon repas de midi. Je me suis réveillée super tard, enfin je me suis réveillée plusieurs fois, je fais des nuits très compliquées en ce moment et du coup j'ai déjeuné que vers les midi. Et donc là j'ai super faim parce que j'ai pas mangé mon repas de midi, mais je sais pas si j'attends encore un peu, style à 16h je prends mon repas de midi et très tard ce soir je prendrai mon repas tout court. Je suis complètement perdue. Dès que j'ai pas un cadre prédéfini, je pars en cacahuète. Eh bien, je crois que moi et ma tête décoiffée, nous avons fini la trilogie de Grisha. Je digère pas. Il y a trop d'informations d'un coup dans ce troisième tome. Que de révélations, que de rebondissements,
masque de suspens. J'ai une tache sur le nez. Vraiment, je... Alors c'était super bien. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Je suis encore sous le... C'est fini. Le livre est fini. Pourquoi? Heureusement que j'ai Six of Crows à lire. Mais c'est pas la même ambiance. Et c'est pas... Moi, je veux avoir Mal. Je veux avoir Alina. Même si c'est pas ma meilleure pote, je la tolère maintenant. C'est bon, on a trouvé un terrain d'entente. Oh my god, j'adore. Je vais tenter de vous faire un avis sur ce tome 3 sans spoiler. Ça va être compliqué. Déjà, on démarrait sur le fait que le tome 2, hormis sa fin, c'était, ça a été une lecture globalement difficile. Dans ce tome 3, alors effectivement, peut-être les premiers chapitres étaient un petit peu difficiles au démarrage, puis ensuite c'est parti vraiment très vite et tout seul. J'avais vraiment aucune idée sur la tournure des choses, sur les choix et les compromis que les protagonistes pouvaient prendre comme choix. Pas hyper français, c'est pas grave. Mais par contre, concernant la quête de l'oiseau de feu, là j'avais vraiment mon idée sur la question. Ce que j'ai bien aimé, surtout dans ce roman, c'est... Enfin, plus dans ce tome 3, je trouvais que dans les autres tomes, on avait souvent ce truc de héros où on adore les complimenter, ils sont extrêmement mis en avant. Là, sur cette fin-là, j'ai plus ressenti des héros, mais avant tout des êtres humains avec chacun leurs défauts. Et leurs défauts étaient mis en avant et ça faisait du bien du coup de savoir que c'est un héros, mais ok, enfin, regarde toutes les bourdes qu'il a fait. J'ai aussi aimé, et avec surprise d'ailleurs, le personnage de Darkling qui est moins présent, on va dire, vers la fin de la saga. Alors dire moins qu'il est moins présent, c'est vrai et c'est faux en même temps. Enfin, j'ai trouvé qu'il était un peu plus présent dans le premier tome, globalement. Mais c'est un personnage que j'ai vraiment aimé découvrir parce qu'il est extrêmement complexe et que c'était compliqué pour moi de le cerner. Et du coup ça en devenait intéressant. Il y avait aussi ce point où ils se battent tous pour quelque chose, mais c'est pour la plupart tous pour quelque chose de différent. Et peu importe pourquoi ils le font, ils le feront tous pour leur cause. Et ouais, c'est cette partie là que j'ai bien aimée. Je suis désolée, je cherche mes mots, mais je vous fais vraiment une réaction à chaud. J'ai le chat qui se ramène. Ce que j'apprécie particulièrement dans les romans, c'est quand on a une partie psychologique des personnages qui est quand même assez bien travaillée. Et franchement, c'est le cas dans Grisha. Je trouve que le côté psychologique de chacun des personnages, du moins les principaux, ont été hyper bien travaillés. Je pense davantage au Darkling, Mal et Alina. Enfin, vraiment, ces trois personnages-là. Celui de Nikolai aussi, il est quand même bien, bien abouti. Il a vraiment un portrait psychologique assez bien fait. Et c'était, je sais pas comment vous dire, c'était presque enrichissant comme histoire parce que on avait autant de points positif chez l'être humain que de côté négatif, la quête du pouvoir, l'égoïsme énorme ou la générosité et parfois la naïveté de certains. Il y a des comportements que Mal avait qui étaient hyper impulsifs, qui s'énervaient énormément, et puis dans un autre temps on voyait bien que c'était aussi quelqu'un qui pouvait être totalement l'opposé selon les situations. Enfin, franchement, il y avait plein de choses côté psychologique qui étaient hyper intéressantes à voir dans le cadre de la temporalité de la saga. Non, on recommence. Dans les conditions dans lesquelles les personnages sont, pour moi c'était une fin très appropriée, assez complète. On sait ce qui se passe pour les personnages. La boucle est bouclée, ou presque. Et j'ai tellement un pincement au cœur en finissant cette saga. Et puis en ce moment je suis dans un mood où, je ne sais pas pour vous, mais où je passe un petit peu moins de temps sur les réseaux, du moins, à regarder les avis des uns et des autres. Et je crois que ça m'aide davantage à apprécier les lectures que j'ai entre mes mains. Et vraiment je suis dans des phases où je suis complètement englobée dans des sagas et dans des univers. Et je suis très contente de m'être mis ce challenge de lire le Grishaverse. J'ai toujours pas terminé ce challenge à l'heure actuelle parce qu'il me manque encore les deux tomes de Six of Crows, mais ça me fait tellement du bien, genre avec la playlist je sais pas, ce livre je l'ai quasiment lu en 2-3 jours. Je vais pas m'en remettre hein, quand je vais finir tous les livres de Leigh Bardugo, je vais vraiment pas m'en remettre.
Bref, je vous reviens certainement demain pour l'avancée et le commencement, pardon, surtout du tome 1 de Six of Crows. Mais j'ai l'impression que ça va être difficile de battre Grisha. Bref, je vais donc aller dormir. Bisous! Mardi 20 avril et oui j'ai pas beaucoup vlogué ni samedi ni dimanche et j'en suis à la page, je suis à la page 211 de Six of Crows, pardon, il me reste 300 pages du tome 1 sachant que la série sera disponible le 23. Alors est-ce que je peux faire une remontada, lire 300 pages plus le tome 2? Je ne sais pas. En tout cas, tout est possible. Cet après-midi, j'ai enfin fini le pseudo-projet que je devais faire pour quelque chose. Enfin bref, de toute façon, ça ne concerne pas trop, donc je ne veux pas épiloguer là-dessus. En revanche, je me suis prévu plusieurs choses. J'ai prévu de poster les dernières photos Instagram que j'ai en stock. Je vais poster ces dernières-là parce que dans l'optique, en fait, de pouvoir proposer quelque chose d'autre sur Insta, je pense que j'ai fait un peu le tour des photos que je pouvais faire, qui sont des photos que je considère comme classiques. Enfin, les photos que je fais actuellement, je les trouve sympas, mais je sais pas, je n'arrive plus à me motiver et à trouver de l'inspiration. Du coup, je vais préparer par écrit les posts que je voulais faire. Donc, je vais préparer ça. Je vais ensuite continuer ceci, je vais aller manger mon repas de midi et je sais pas pourquoi, je sens que cet après-midi je vais vouloir me prendre un Starbucks, ce qui est fortement possible. Cette semaine également, je vais essayer de... mon téléphone sonne. Cette semaine je vais, je pense, reprendre l'écriture. J'avais quelques textes que j'avais commencé à écrire et qui méritent que je m'y repenche dessus parce qu'il y avait comme un bon premier squelette. Après il y a 2-3 clichés que je vais faire sauter, là j'ai relu des chapitres et j'étais en mode de quoi? Et je suis d'ailleurs allée voir mon compte Wattpad où j'avais publié un début d'histoire, sachant que cette histoire elle a complètement sa fin mais que je n'avais jamais posté et j'avais pas lu les commentaires que j'avais pu recevoir dessus. Puis en fait vous êtes beaucoup trop bienveillants parce que vraiment quand je vois le nombre de fautes, le nombre de répétitions, les fautes grammaticales qu'il y a, même je suis vraiment pas douée dans tout ça, mais on les voit. Si moi je les vois alors j'imagine pas les autres, donc
donc je pense que je vais supprimer du moins ce qu'il y a sur Wattpad et je vais essayer de j'ai retrouvé mon fichier, mais je vais essayer de le remodeler, voilà, c'est ce que je cherchais pour voir éventuellement ce que ça peut donner. Puis en ce moment je suis bien inspirée, enfin j'ai bien la tête à me mettre dans mes écrits, donc voilà, vous allez pouvoir me suivre aujourd'hui dans ce dernier sprint de lecture. 300 pages en une journée, j'y crois pas tellement. Mais je l'ai déjà fait, j'ai déjà lu 500 pages en une journée. Alors pourquoi pas 300? Je ne sais pas. Mais Six O'Clock me fait un peu peur. J'aime beaucoup pour l'instant, je dois dire que j'apprécie pas mal Jasper. Jasper ou Jasper? En fait, j'ai un chat qui s'appelle Jasper, donc j'aurais tendance à dire Jasper. J'aime bien Inej, mais c'est pas tellement le genre de personnage féminin que j'adore. Un peu trop bad bitch pour moi, je pense. Si je poste ma vidéo vlog le 28 avril, mettez un dans le vos commentaires 28 avril. Oui, je suis déjà en train de programmer ça. Bref, je suis en train de perdre du temps. Je vais aller commencer mes posts Insta et ensuite je pourrai lire et manger. J'ai pas mangé. Donc nous sommes le lendemain, j'ai effectivement fini Six of Crows et j'ai démarré dans la matinée le tome 2 déjà de Six of Crows sur un Crooked Kingdom. Pour vous faire un bref avis, je vais vraiment essayer de le faire assez vite parce que je vais me faire un marathon du coup avec le deuxième tome pour pouvoir être à temps pour regarder la série. J'ai vraiment pas mal apprécié Six of Crows, donc le tome 1. Je pense que là en ayant commencé un petit peu le tome 2, que je vais davantage apprécier le tome 2 et j'ai quand même une préférence pour l'instant pour Grisha, donc je vais m'expliquer un petit peu plus en détail. Dans cet univers là, donc on a une espèce de petite troupe qu'on n'avait pas dans la trilogie Grisha. On va retrouver effectivement des mécanismes des Grisha avec quelques références, donc pour moi il est quand même mieux d'avoir lu Grisha avant de démarrer cette duologie parce qu'il y a du coup des références et c'est plus simple pour comprendre, mais je pense qu'on peut aussi très bien comprendre sans avoir tous ces détails là. Ceci étant dit, donc on a donc une espèce de petite troupe, donc on a Cassbreaker qui est un petit peu le chef de cette élite, de cette équipe. Ensuite on a Nina et Mathias, ce sont mes préférés, enfin Nina encore plus que Mathias, mais vraiment c'est un duo aussi que j'affectionne particulièrement et j'attends en fait à chaque fois d'avoir leur partie à eux pour, c'est vraiment les parties que j'attends le plus dans le livre, j'ai un peu galéré à dire ça. Mathias est un soldat qui est plein de rancœur et qui a une grande envie plutôt de vengeance. Ensuite on a Nina qui elle est une Grisha justement. Ensuite on a Inej qui est une espionne, je galérais à trouver le nom, vraiment très douée, très talentueuse, hors pair quoi, c'est vraiment l'un des gros avantages de cette équipe, c'est vraiment Inej, enfin de mon point de vue Inej fait quand même pas mal de choses. On a aussi Jasper qui est peut-être dans le troisième que je préfère dans cette histoire, donc qui est un tireur beaucoup plus doué que Lucky Luke. Lucky Luke est connu pour tirer plus vite que son ombre. L'ombre n'a même pas besoin d'apparaître, enfin, n'a même pas lieu de bouger d'un millimètre que Jasper a déjà tiré. Et Willan est assez connu et réputé pour ses talents de démolisseur, de fracasseur, de... Voilà, il est assez doué dans tout ce qui est foutre le bordel. C'est une équipe qui trouve son équilibre et qui mène, comment on pourrait dire, pas des missions, mais des quêtes, entre guillemets, si on peut rapprocher ça au mot quête, je sais pas trop. J'avoue que quand on démarre le tome 1, le début est assez lent.
temps et après on nous impose un certain rythme qu'il faut réussir à prendre en même temps que tous ces personnages, puisqu'il y en a quand même 6 avec 6 personnalités complètement différentes, complètement distinctes. Donc il faut essayer de prendre ce rythme là et d'avancer en même temps qu'eux, parce que je pense que si on n'arrive pas à prendre vite le pli, on peut très facilement tourner le dos à ce bouquin. Ils ont tous un gros point commun, la liberté et le gagne-pain. Ils souhaitent partir de ce quartier miteux, ils souhaitent partir de cette misère et avoir leur liberté et une vie plus confortable et plus heureuse, et donc ils vont s'allier pour atteindre tous ce même but. Ces gains-là serviraient pour pas mal, pour retrouver leur patrie, pour retrouver leurs proches, pour gagner et acheter leur liberté et partir de cet endroit. On va leur donner une mission, et une mission bien particulière. Ils doivent enlever, récupérer un savant, enfin plutôt, les mots justes, c'est délivrer un savant du palais de glace. Autrement, vous dire que c'est hyper compliqué de rentrer là-dedans, parce qu'il a la recette miracle pour un remède qui décuplerait les pouvoirs des Grishas et qui forcément est très convoité. Ah oui, cette mission est donné par le... C'est un marchand, l'un des plus gros marchands, Van Eyck. Voilà, je viens de retrouver son nom. Et tout va commencer comme ça. Et comme je disais, je trouve que le tome 2 est meilleur, mais je pense que je vais pas trop prendre la caméra. Je vais peut-être vous filmer 2-3 speeches et je vous ferai un avis global de la duologie quand j'aurai fini le tome 2, parce que là, le temps presse et je crois que j'ai jamais lu aussi vite une saga. Mais c'est un très bon challenge parce qu'en fait petit à petit je me rends compte que le Grishaverse en général ça peut peut-être détrôner The Immortal Instruments. Puis l'adaptation a l'air cool, j'ai hâte. Série Shadow and Bone hier, donc on est le lendemain de la diffusion des 8 épisodes qu'ils ont sortis de la série, et j'ai aussi terminé le tome 2 de Six of Crows. Franchement c'était un marathon, mais c'était génial, et enfin je pense que c'est d'autant plus génial parce que j'ai complètement accroché à l'univers du Grishaverse, de l'Eider Deco. Tout d'abord mon avis sur du coup le tome 2 et le dernier tome de Six of Crows. Dans ce deuxième tome, il faut savoir que dans le premier tome on quitte l'histoire, il y a un gros coup de pression, on nous laisse dans un certain suspense et surtout dans une certaine détresse pour les personnages, mais du coup nous lecteurs on est aussi en détresse, on est en PLS. Forcément dans ce tome 2 on va avoir la suite de tous ces événements, on est tellement plus proche de nos personnages, vraiment on passe d'un cap où ils étaient juste coéquipiers parce qu'ils sont dans le gang du croc, et puis ensuite on passe vraiment sur une amitié et sur des plus beaucoup plus profonds, et ouais c'était beaucoup plus intense, c'était beaucoup plus sincère, et ils ont vraiment tous tissé des liens entre eux. Le tome 2 aussi prend pas une toute autre envergure, mais en tout cas une envergure un peu plus importante que dans le tome 1. Et j'avais l'impression que c'était un petit peu comme une espèce de partie de jeu de cartes ou un échiquier, comme si on était sur une partie d'échecs, parce que vraiment on avait cette sensation de stratégie et de réflexion très très poussée. Voilà, on enchaîne les intrigues, on enchaîne les obstacles, les aventures, les péripéties, on va mettre tous les synonymes possibles. Et chacun de ces obstacles, du coup, ils sont vraiment franchis
fille avec une certaine intelligence, mais vraiment c'était cette impression de stratégie de guerre qui était plus présente dans ce tome 2. Chacun des personnages avait un petit peu un démon à combattre, un passif ou quelque chose qui était en eux, et ils vont tous un petit peu faire face à ça, que ce soit la peur de soi-même, la peur de s'accepter, la drogue, l'acceptation de soi et des autres, et tout un tas de choses, je peux pas trop dire pour ne pas spoiler. Et vraiment, en petits mots en plus, je trouve que le Six of Cause, enfin la duologie Six of Cause, est quand même mieux écrite que Grisha, même si j'aime énormément l'atmosphère de la trilogie Grisha. Je trouve que l'écriture dans celui-ci de Leigh Bardugo était plus agréable que dans la trilogie Grisha. Il y a davantage d'humour, enfin, surtout quand on croise le personnage de Jasper, il a un humour incroyable. Genre, il y a vraiment quelque chose qui se dégage dans chacun des personnages de Six of Crows, ça c'est indéniable. La fin est pour moi extrêmement bien menée. Je pouvais pas espérer autre chose et j'avais vraiment eu un pincement au cœur. Je crois que c'était je l'ai fini le soir, j'ai fini super tard le soir, ça devait même être le lendemain matin, il devait être peut-être 1h ou 2h du matin quand je l'ai fini, et j'avais vraiment ce petit pincement au cœur de me dire je vais plus les retrouver, je vais plus retrouver Nina, je vais plus retrouver Mathias, je vais plus retrouver Inej, Kaz, personne, je vais retrouver personne. Et là je me suis rappelé que la série arrivait dans quelques heures, le lendemain quoi, et du coup j'étais un petit peu rassurée de ça. J'ai forcément des préférés, mais il n'y en a pas un que je déteste. Ils ont tous leurs trucs qui fait peut-être que je peux moins apprécier, mais j'ai pas un dégoût particulier sur l'un des personnages, enfin il n'y en a pas un que je peux pas me blairer. Et ça c'est vraiment le grand tour de force de Leigh Bardugo dans la saga SOC, c'est vraiment que ces personnages forcément... tu vas leur trouver des qualités. Bon, ce tome 2 est un peu lourd à tenir, du coup on va passer à mon avis sur la série. Donc la série Shadow and Bone de Netflix qui est sortie, je ne sais plus la date. Déjà le casting il est parfait, vraiment il est parfait, il n'y a rien à redire. Il a été extrêmement bien fait, les choix d'acteurs sont géniaux, ils jouent tous super bien. J'ai personnellement un coup de cœur pour l'actrice qui joue le rôle de Nina. Elle s'appelle Danielle Galligan. Quelque chose comme ça. J'aime beaucoup cette actrice. Je trouve qu'elle incarne hyper bien le personnage de Nina. Enfin, je pouvais pas attendre mieux. Et ouais, j'ai vraiment un énorme crush sur le personnage, enfin sur l'actrice, pardon, qui joue le personnage de Nina. Je m'en mêle les pinceaux. C'est vraiment celle que je préfère pour l'instant dans le Grishaverse. J'aime beaucoup aussi l'actrice d'Alina, de Mathias, de Jasper. Enfin bref, il y a beaucoup de... Le personnage de Darkling, enfin l'acteur de Darkling, Man Barnes, on en parle. Génial ce choix, il est excellent dans son rôle. Mais ouais, c'est vrai que le personnage, enfin l'actrice, oh je vais y arriver, l'actrice de Nina, donc Danielle, coup de cœur, coup de cœur. En ce qui concerne la trame initiale de la série, donc on est plus basé sur la série de Grisha, mais on a une partie des personnages de Six of Cause qui s'entremêlent et qui vient directement en fait se lier à la saga initiale de Grisha. Je trouve ça hyper judicieux de l'avoir fait comme ça et d'avoir choisi cette temporalité-là. Je pense que vous comprendrez si quand vous aurez lu les romans et vu l'adaptation. Je trouvais ça très très bien, c'était très intelligent. Je pense que je préfère qu'ils aient pris cette liberté-là, que s'ils auraient fait un copier-coller, ça aurait été cool, mais là du coup c'est un peu plus réfléchi, il y avait des choses qu'on n'a peut-être pas forcément dans les livres. Et c'est un plus, clairement c'est un plus. J'ai aussi énormément apprécié, ils ont fait plutôt des énormes efforts sur la musique, sur les effets spéciaux, sur l'ambiance générale qu'ils ont pu créer pour cette série. C'est tellement bien, si on avait pu avoir ça pour The Immortal Instruments, vraiment de Cassandra Clare, si vraiment on aurait pu avoir ça, mais on aurait eu quelque chose de dingue, on l'a pas eu, je suis tellement triste. Mais franchement ils ont mis la barre hyper haute, et ça se voit par contre que Leigh Bardugo a eu son mot à dire, parce que c'est de la qualité là, je suis désolée, mais franchement l'adaptation elle est de qualité, et je suis hyper heureuse d'avoir une adaptation hyper cool, et qui j'ai vraiment envie de revoir cette adaptation souvent. J'ai déjà commencé à revoir la série déjà. Qu'est-ce que tu as fait mon chat? Mon chat, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais avance mon grand. Quoi? Allez. Allez. Nuts, c'est ça où je ferme la porte? Tu peux pas fermer la porte, comment? Allez. Tu m'énerves. Bon, adios amigos.
pour répondre à toutes les questions que j'ai pu avoir sur est-ce qu'il faut lire l'intégralité des Grisha, est-ce qu'il faut lire la duologie Six of Crows, alors pour moi, c'est mon avis, ça n'engage évidemment que moi, je pense que pour les 8 épisodes qui sont sortis sur Netflix de Shadow and Bone, il faut quand même avoir lu le premier tome minimum de la trilogie Grisha si vous ne voulez pas être spoilé, parce si vous comptez lire les livres après. Je sais pas tellement comment ils vont s'organiser pour les personnages de Six of Crows, mais je soupçonne qu'au bout d'un moment il va falloir lire la duologie en intégralité, mais ce n'est plus mon souci. J'ai dit en intégralité ou en intégralité ? Intégralité, merci Emma. Pour mon avis général, j'ai aimé le jeu d'acteur, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les musiques, j'ai aimé les effets spéciaux, j'ai aimé les choix scénaristiques, j'ai tout aimé, je ne sais pas pour qui je me prends en disant les choix scénaristiques, mais j'ai bien aimé et hyper contente franchement d'être tombée dans cet univers parce que je pense que je peux vous le dire officiellement, je crois que je préfère Shadow and Bone à The Immortal Instruments. Voilà, je crois que je vais tomber en panne de lecture, je crois que je vais... faire que de relire Six of Crows. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, j'ai fini du coup ce livre. Eh bien, j'ai redémarré le tome 1 pendant que je regardais la série. Il est fort probable que toute l'année, je me retape des relectures sur cet univers. Je le sens arriver fortement, vraiment fortement. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce long vlog vous a plu, que d'avoir mes impressions et mon avis sur tout ça, sur tout cet événement, ça vous a plu. Je sais pas quoi dire d'autre. Moi et ma frange mèche là, dégueulasse, il faut que je retourne la couper. J'ai peur de la couper tout seul parce qu'à chaque fois je me retourne avec une frange qui fait ça. C'est pas beau. Et puis là je ne vois rien. J'ai plus rien à dire, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez un avis concernant les romans, l'adaptation, un commentaire sur les deux, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, on va pouvoir débattre de tout ça. Et je vous souhaite du coup de belles lectures, à bientôt, et bye bye, à une prochaine vidéo.